attaquer sur Dramane. Il y aura des manifestations. Il y aura des manifestations samedi à Abidjan. Samedi à Abidjan, il y aura des manifestations à Abidjan samedi. Les Odineka, ils sont en train de se préparer pour manifester ici à Paris contre Dramane Ouattara, contre le RDR qui n'a pas travaillé dans leur village. Les Odineka sont en train de se préparer. Maintenant, je reviens. On va très rapidement rentrer dans le vide du GG, camarade d'Afrique. J'étais disant que le Burkina Faso a fait des frappes chirurgicales. Il y a eu des frappes. Jusqu'à présent, je vous dis que Tellawaten est gazatisé. Donc, je vais vous mettre ici le communiqué de la RTB et bon, qu'on va décortiquer, bien entendu. On écoute attentivement, on partage, on met les cœurs. C'est le camarade d'Afrique, on est parti. Parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion que, conformément à la solidarité entre les États membres de la Confédération des États du Sahel AES et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AES, les FAMA, en coordination avec les forces armées du Burkina, ont débuté ce mardi 30 juillet 2024 une campagne aérienne dans le secteur de Tinzawaten. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tinzawaten et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicite contre les populations maliennes. Durant cette opération, l'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux. Les forces armées de la Confédération AES demeurent déterminées et engagées à poursuivre leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des États confédérés. Et dans le même registre, nous vous l'annoncions hier, les FAMA ont lancé une offensive dans le secteur de Tinzawaten. Des combats violents ont eu lieu et les FAMA restent déterminés pour la victoire finale. Alors, une question se pose, quels sont les enjeux de Tinzawaten? Pour mieux comprendre la situation, nous sommes allés à la rencontre de Djadji Amasango, communicateur traditionnel. Il lance aussi un appel à la population à soutenir les FAMA dans cette bataille ultime. Il est au micro de Abdoulaye Sako et Oussam Boudiakité. Écoutez attentivement ce sage. Écoutez attentivement. Pourquoi le nord du Mali? Pourquoi Kidal? Pourquoi Tinzawaten? Pourquoi Tessalit? J'ai souvent l'habitude de dire que les Maliens ne connaissent pas le Mali. Ceux qui ont l'habitude ou la chance de voyager de l'Algérie à Bamako, le soir, ils ont traversé le méridien de Greenwich. Ils ont de l'obscurité à droite et de la lumière à gauche. Ils traversent le méridien de Greenwich qui passe par le nord du Mali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre nord, le nord du Mali, c'est le point d'observation le plus élevé du monde à partir duquel tu contrôles les 5 continents. Tu vois exactement ce qui se passe sur les 5 continents à partir de ce point précis. Pourquoi aucun gouvernement n'a voulu céder Tessalit ou Kidal à l'international. Si c'est arrivé, on en connaît les conséquences. C'est à partir de ce point-là que le terrorisme mondial est distribué en Afrique et dans le reste du monde, parce qu'ils ont la possibilité de voir et de contrôler tous les mouvements à partir de ce destin. On a parlé de Kidal. Kidal est un appendice de Tinzawaten. Et Tinzawaten, c'est quoi? Qu'on dise que c'est le dernier bastion du terrorisme international, on n'a pas tort. Que l'on dise que c'est un point névralgique, on n'a pas tort. Seulement que le terrorisme, c'est une politique qui est conçue dans des bureaux feutrés ailleurs, et ils sont armés et équipés, et ils sont opérationnels à partir de Tinzawaten. Mais si les installations n'existent plus à partir de Tinzawaten, on peut dire qu'on a sonné le glas du terrorisme mondial à partir de Tinzawaten. Dans la même logique, dernièrement, je parlais de la jeunesse, de l'appel du président de la conférence des chefs d'État de l'AES, notre colonel Assimi Goïta en faveur de la jeunesse. De la jeunesse sous les drapeaux, mais aussi de la jeunesse combattante et laborieuse. Qui doit prendre le relais de Tinzawaten? C'est la jeunesse du Mali et la jeunesse de l'AES. Et ici, le combat est à leur niveau. Les militaires ont fait leur part de boulot. Maintenant, la suite logique pour raffermir et consolider cette victoire, ça revient à la jeunesse. On va me dire comment et pourquoi.
que la jeunesse arrête de diffuser des informations fausses et infondées sur l'armée et sur les victoires de l'armée. Que la jeunesse arrête de publier des vidéos d'intoxication pour saper le moral de nos hommes. Que les jeunes arrêtent de faire des commentaires négatifs sur notre armée et sur ses performances. Aujourd'hui, il est de notoriété publique, reconnue par les médias au niveau international, reconnue par nos plus grands détracteurs, que la montée en puissance de l'armée malienne est une réalité. J'ai dit, les faits sont là, têtus et trapus à crever les yeux. La qualité des armements pointus dans leur conception, le maniement, les hommes, le matériel et l'outillage, aujourd'hui sont des réalités palpables au Mali. Le Mali n'a ni peur ni honte d'affronter qui que ce soit qui s'attaque à son intégrité, parce qu'aujourd'hui, par le biais d'une coopération internationale France, coopération gagnant-gagnant, aujourd'hui, notre armée est performante. Alors, il appartient à chaque jeune, à chaque vidéoman, à chaque communicateur, à chaque paysan, à chaque éleveur, à chaque pêcheur, à chaque ménagère, à chacun de nous, dans la position où il est, d'aider, d'encourager et de magnifier. Pourquoi on a chanté Diagne? On a chanté Diagne pour magnifier et célébrer les grands hommes. Donc, l'armée est toujours l'émanation du peuple. L'armée n'est pas un arbre, l'armée n'est pas un diable. L'armée, c'est ton fils, c'est mon fils, c'est notre fils. Et c'est cette connexion qui lui donne de la force. Tant que l'armée sent que le peuple est derrière lui, tant que l'armée sent que le peuple est reconnaissant de son sacrifice, elle devient plus forte, elle devient plus engagée. Et nous avons... Vive l'armée malienne, vive, vive l'armée de Burkina Faso, vive l'armée du Niger, vive l'AES, chers camarades d'Afrique. Vous avez écouté le doyen, vous avez écouté le communiqué, chers camarades d'Afrique, de l'état-major général des armées du Mali. Mais, on les va décortiquer. Ça, il faut qu'on décortique ça. Amel Tala, sois salut mon frère, merci beaucoup pour les cadeaux. Il faut qu'on décortique, chers camarades d'Afrique. Je vous avais dit que Assimi Goïta, le président Abdoulaye Tchani et Ibrahim Traoré étaient en train de se consulter par rapport à l'insolence des terroristes qu'il y a eu, chers camarades d'Afrique, à Kinshasa-Waten. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit que même Vladimir Poutine lui-même s'était mobilisé pour aller, pour enlever dans les yeux les terroristes. Je vous ai dit ça ou pas? Eh bien, hier matin, alors que les forces armées maliennes, les forces terrestres maliennes sont en position, camarades un peu d'Afrique, les forces burkinabé, les vétérans burkinabé, frère, les TBD, Bayata, sont rentrés dans la danse, ont commencé à frapper, on commençait à pilonner les positions des terroristes. Frère, pilonner. Quand ils pilonnent, quand ils frappent comme ça, là, la même manière avance. Les forces terrestres avancent, chers camarades d'Afrique. Mais actuellement, là, j'ai suivi un reportage de guerre sur le Vietnam. Il y a un ancien Diaz qui a dit quoi? Il dit que souvent, les hommes sur le terrain ne se battent plus à un moment donné dans leur état d'esprit et ne se battent plus pour un quelconque honneur ou pour le... C'est-à-dire qu'ils se battent plus pour le drapeau en réalité. Ils se battent pour venger leurs amis qu'ils ont perdus. Mais, chers camarades, vous avez entendu le communiqué des combats violents. Mais l'armée malienne est devenue comme, chers camarades d'Afrique, une bête qu'on a... C'est qu'on a blessé dans la brousse. Elle capte plus. Frère, tout ce qui est terroriste. C'est qu'elle a lancé un communiqué. Elle a demandé aux populations qui sont dans les zones de Kinshasa-Waten de quitter. Frère, non. Moi, la même année, n'a pas encore fait ça. Hein. Même Kidal, qui est Kidal, le nom de Kidal, qui est Kidal. Ils n'ont pas demandé à rien de sortir de Kidal. Ils ont encerclé Kidal, ils ont pris Kidal en tenaille, et puis ils ont broyé Kidal, et puis le combat est fini. Mais cette fois-ci, l'armée malienne a envoyé
des messages pour dire aux populations, sortez, allez-y dans les grottes, parce que Tezawaten sera frappé. Quand Ibé a entendu ça, il a aligné ses vecteurs, les TB de Barakta. Frère, non, il frappe. Il frappe pendant ce temps. Dès que les TB de finissent de frapper, ils montent en attitude. Vous savez qu'eux, ils font, comment on appelle ça, reconnaissance, ils font espionnage, et puis ils frappent en même temps. Donc quand ils finissent de frapper, et ils montent en attitude. Maintenant, les Ouaraouara qui sont en train de courir, là, les Sukhoi, les frappes, les MiG-24, les arrosent. Non, mes chers camarades d'Afrique, c'est la bataille, c'est la guerre. C'est la guerre. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça, mais le président Tchiani dit non, Assimi Goïta, non, tu ne peux pas finir ce combat-là directement. Il faut que moi aussi, j'ai enlevé dans les yeux. Parce qu'il y a des Ouaraouara qui sont quittés chez moi, qui sont là-bas. Il faut que j'aille le trouver là-bas. Tchiani a mobilisé aussi son vecteur aérien pour aller sur le terrain de Tezawaten. Frère, Burkina Faso ici, Mali ici, et comment on appelle ça, le Niger ici, ils sont en train de pilonner seulement. Chers camarades, ça pilonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui où je vous parle, les terroristes eux-mêmes, ils disent, mais pourquoi on a attaqué les gens là? Pourquoi on a attaqué Tezawaten? Parce qu'aucun terroriste ne peut s'approcher encore. Tellement que le combat fait rage. En temps, les blindés maliens sont en train d'avancer. Les blindés maliens, les robots maliens, il y a des robots. Les robots démineurs, il y a des robots démineurs qui font déminage simplement, mais il y a des robots démineurs et combattants. C'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie. On les envoie devant pour déminer. Vous comprenez? Mais il y en a aussi, on envoie devant pour combattre. C'est-à-dire que les robots combattent là. C'est-à-dire que le Gaou, il est en train de tirer sur le robot, mais le robot est en train de combattre. Ils vont dire non, on a pris ce bébé, mais c'est un robot, il n'y avait pas l'homme dedans. Pendant ce temps, l'armée malienne est en train d'avancer. Tezawaten actuellement chez Kamala Pays d'Afrique. Non, Barabana. Vous savez que les Ukrainiens, les drones ukrainiens que l'Ukraine prend souvent pour frapper la Russie, là. Eh bien, ces drones-là ont été utilisés à Tezawaten. Mais la Russie a envoyé 4 cargos. C'est-à-dire que Darda, la Russie a envoyé 4 cargos hier à aujourd'hui. Qui est rempli d'armement, de nouvelles technologies. Parce que il faut dire quelque chose. Les institutions russes, là, il y a certains parmi eux qui ont été pris en otage. Mais leur chef voulait aller récupérer ces gars. C'est Assimi qui a calmé ça. Il dit non, allons mollo. Il dit on sait où ils sont. On va aller les prendre. Il dit allons mollo. Mais ils ont pris des gars. Mais nous, on a pris beaucoup. Y compris des chefs. Y compris certaines personnes qu'on ne peut pas dévoiler. Dont on ne peut pas dévoiler les visages. Des Français. Des Algériens. Vous voyez. Le Ouaraouara que les Algériens et puis les Français sont en train de faire là. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire là? Vous avez vu dans leur jeu? Pendant que vous êtes associés pour nous attaquer au niveau des Tezawaten, le lendemain en même temps, Macron dit qu'il soutient le Maroc. Et en même temps, l'Algérie rappelle son ambassadeur. Et puis, vous voyez ça? En fait, c'est comme ça. C'est ce genre de populisme dont use Tebboune pour garder toujours sous domination. Dans la précarité extrême, le peuple algérien. Mais il ne s'est pas encore levé. Mais il va se lever un jour. Tebboune, tu es un populiste, un vulgaire populiste, lâche et con pour mettre dessus. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Si tu veux, là, il faut prendre pour toi, Macron, vous allez monter, c'est pour vous frapper. Nous, on sait que vous êtes ensemble. Et vous serez traités comme tels. Vous êtes des alliés. L'Algérie plus la France, vous êtes des alliés. Même si aujourd'hui, la France reconnaît, on s'en tape. Vous avez reçu le chef de Africa, Africom. Vous l'avez reçu en Algérie. Vous l'avez reçu. et puis juste après, ce qui s'est passé, c'est passé. Le chef de Hakimi, il vit en Algérie. Argabas, il vit où? En Algérie. Yagagali, il vit où? En Algérie. Tous les terroristes vivent en Algérie. Mais qui sont les amis des terroristes? Qui sont les financiers des terroristes? Qui sont les sponsors, principaux sponsors des terroristes? Ce n'est pas les Français. Combien les Français vous donnent pour abriter les terroristes sur votre territoire? Combien ils vous donnent? Tebboune, combien Macron te donne pour abriter les terroristes sur votre territoire? Tu peux nous dire ça? Est-ce que tu peux nous dire ça? Mais nous, on sait tout. Tout est documenté, tout est placé là et tout est calculé. Tous les terroristes Ouaraouara qui sont là seront traités avec efficacité et les opérations vont se poursuivre. Mais chers camarades, le vieux, il a parlé de quelque chose. Le vieux, il a parlé de l'aspect géographique de Tezawaten.
Il a abordé l'aspect géographique de Tenza. Pourquoi Tenza Waten est important? Je vais voir sur ma carte. Tenza Waten, pourquoi Tenza Waten est important? Et pourquoi la corne de l'Afrique au niveau de Djibouti? Vous allez voir au niveau de Djibouti, toutes les puissances ont des bases militaires là-bas. La Chine a une base militaire, les États-Unis, la France, je crois même la Russie s'aventure là-bas. Et même aujourd'hui, pourquoi la guerre au Soudan? C'est une question géopolitique parce que le Soudan et puis la corne de l'Afrique, les Djibouti là, sont la jonction entre l'Afrique, l'Afrique du Nord, et en même temps de l'autre côté de l'Asie et le continent africain. Donc à partir de la corne de l'Afrique, tu peux contrôler le flux maritime de tout le monde entier en fait. Vous voyez? Donc là-bas là, c'est très important. Maintenant au niveau du Mali. Pourquoi c'est important? Pourquoi au niveau de Tenza Waten, Kidal et tout ça, c'est important? Parce qu'à partir de Kidal, Tenza Waten, tu peux être là avec des moyens technologiques avancés. Tu peux avoir le contrôle sur tous les 5 continents du monde. C'est la zone la plus élevée du monde entier. C'est que la pente du monde, c'est au niveau de Tenza Waten, au niveau du Mali. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis une chose. Pourquoi ils s'avancent et ils ne veulent pas que le Mali et puis leurs amis russes aient le dessus sur Tenza Waten, sur Kidal, la zone là. Pourquoi? Parce que à partir de Tenza Waten, Kidal et tout, vous pouvez prendre les missiles tactiques que la Russie a envoyé au niveau de la Biélorussie. Les missiles tactiques que la Russie a envoyé au niveau de la Biélorussie là. Vous pouvez utiliser ces missiles tactiques là pour frapper la France. Vous pouvez utiliser ces missiles tactiques là pour frapper où ça? Pour frapper l'Italie. Vous pouvez utiliser ces missiles tactiques là pour frapper l'Espagne. Vous comprenez? Donc, regardez. Ça, c'est le sud de la France. On est d'accord? Le sud de l'Europe occidentale. On est d'accord? La Russie a déjà balisé, on va dire, le côté est de l'Afrique, de l'Europe occidentale. Le côté sud de l'Europe occidentale, si la Russie arrive à déblayer tous les terroristes de ce côté-là pour s'installer tranquillement en parfaite harmonie avec les pays qui sont là, c'est-à-dire le Mali, le Niger et tout, là, frère, c'est-à-dire que de facto, l'Europe occidentale est prise en tenaille. Ce qui revient à dire que s'il y a une troisième guerre mondiale, même si on utilise les armes, je dirais, conventionnelles, l'Europe de l'Ouest est prise en tenaille. Elle ne pourra pas s'en sortir. Vous comprenez? Parce que par le nord, par le sud, ils sont cloués. Et par l'est, ils sont cloués. Donc la Russie peut avancer sur deux flancs. La Russie peut avancer sur deux flancs pour les broyer. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, de ce point de vue-là, Tenza Waten est important. Deuxièmement, Tenza Waten, c'est un carrefour. Vous comprenez ça? Tenza Waten, et puis les c'est un carrefour. Les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains, les trafics de ceci, cela, qui se font de l'Afrique, je dirais de l'Ouest, qui rentre par le golfe de Guinée, transitent par là, descendent tout droit vers la Libye ou vers l'Algérie ou vers le Maroc pour venir en Europe occidentale. Vous comprenez ça? Donc, c'est très important pour eux. Ça, c'est du point de vue transit. Maintenant, du point de vue existentiel pour le terrorisme. Vous comprenez ça? L'existence même du terrorisme. De ce point de vue-là, il est très important de garder la même mise sur cette zone. Parce que c'est à travers cette zone-là on peut faire partie le terrorisme du Moyen-Orient vers, en passant par la Libye ou en passant par l'Algérie et tout, pour monter, pour venir traverser cette zone-là et aller déstabiliser les pays de la sous-région. Vous comprenez? C'est à partir de cette zone-là que les terroristes peuvent venir de la Libye pour venir déstabiliser les pays de la sous-région, Mali, Burkina Faso, Niger. Ça part de cette zone-là, ils peuvent quitter de l'Algérie pour venir déstabiliser. Ça part de cette zone-là aussi, ils peuvent quitter de la Mauritanie pour venir déstabiliser. Donc, si cette zone-là est sécurisée, chers camarades pays d'Afrique, cela sonne le glas du terrorisme mondial. Bon, ça veut dire que ça met à mal tout le plan de l'Occident en termes de création ou en termes de sponsor du terrorisme. Allez, vous comprenez, chers camarades pays d'Afrique. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, en fait, Tenza Waten là est devenu très compliqué. Et les gens s'emploient à mettre tous les moyens en œuvre pour essayer, chers camarades d'Afrique,
d'avoir la main sur tes Awatem. Mais c'est mal compté sur la détermination. La détermination et la bravoure des forces de l'AES et de la Russie. Je ne comprends pas, les Ukrainiens. Poutine vous a frappé là-bas, vous et puis vos sponsors. Il vous a frappé. Vous quittez ce front, vous venez en Afrique et vous pensez que vous pouvez gagner là-bas. On va vous frapper là-bas encore. On va vous frapper, vous et puis vos sponsors. On va vous frapper là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? On va vous botter le cul là-bas, vous et vos sponsors. Vous comprenez ça, j'ai envie. Donc, je dis ici, comme ce que le doyen a dit tout à l'heure, nous devons manifester notre soutien indéfectible à nos armées. Je ne dis pas, moi je ne suis pas malien, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas nigérien, mais je suis africain. Donc, en tant qu'Africain, il faut se lever et défendre bec et ongle. Partout où besoin se fera. Partout où tu verras quelqu'un dénigrer l'armée de l'AES, il faut te dresser contre lui et dire non. Partout où tu verras, je dirais, chers camarades d'Afrique, une fausse information à l'encontre de l'armée de l'AES, il faut te lever et dire non. C'est pourquoi je suis heureux de savoir que les rues bouillonnent en Côte d'Ivoire. Hier, il y a eu une manifestation au niveau d'Adjamé. De soutien aux femmes dans leur lutte. Il y a eu une manifestation au niveau d'Adjamé. Et je suis très content. Hier, il y a eu une manifestation. Les femmes ont manifesté. Et le samedi prochain, les jeunes à Tchang vont manifester. Chers camarades d'Afrique, les jeunes à Tchang vont manifester le samedi prochain. Est-ce que vous comprenez? Pendant ce temps, les Odineka, ceux-là même, les Diagassa, ceux-là même qui disent qu'ils préfèrent mourir pour Alassane Dran Ouattara, ceux-là même qui ont été tupés, qui ont été trompés en leur servant, on va dire, un mensonge, un gros mensonge, qui est que Alassane Ouattara a pour mère Nabitou Cissé, et que Nabitou Cissé, comme elle vient d'Odiné, donc Alassane Ouattara serait leur cousin. Ce gros mensonge-là, malgré ce gros mensonge-là, aujourd'hui les Odinékas se sont levés et ils veulent manifester contre le RDR au niveau de la place Trocadéro ici à Paris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez camarades d'Afrique, Alassane Ouattara, son règne, là, ça tend vers sa fin. Parce que quand tes soutiens les plus indéfectibles, tes soutiens les plus sûrs commencent à te tourner le dos, ça veut dire que ta chute n'est plus loin. Ta chute n'est plus loin. Et les femmes, voici les femmes là, qui ont manifesté, là, qui ont marché. Voici les femmes qui ont marché. Ouais. Voilà, vous avez vu? Ces femmes-là ont marché hier contre Dran Ouattara. C'est des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, depuis 2020, c'est des choses qu'on ne voyait plus. Mais on commence à avoir ça. Et même au niveau de Pobouy, il y a une manifestation. Pobouy, il y a une manifestation. À Zimbabwe, parce que Pobouy, quartier Zimbabwe, parce que Ouattara va aller casser là-bas. Il va aller casser là-bas et les populations se sont levées pour dire non. Pour dire qu'ils vont se dresser contre ça. Donc, chers camarades, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses sont en train d'avancer. Les choses sont en train d'avancer. Pendant que l'AES est en train de nous faire plaisir, eh bien, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de se réveiller petit à petit. Et je vous rappelle que c'est à Odjene que les bases militaires américaines sont en train d'être construites. C'est à Odjene. Et c'est à Odjene là aujourd'hui qui sont levés, qui sont en train de se dresser contre Dran Ouattara. Comme un peu d'Afrique, les choses sérieuses sont en train de commencer petit à petit. Donc, pour finir, il est tellement chaud. Pour finir, voilà, il y a une prière collective qui a été initiée par Aïdara. Aïdara, c'est pas Diko, c'est Aïdara. Aïdara a initié une prière collective pour rendre hommage aux Fama qui sont tombés sur les champs d'honneur et pour prier pour que les Fama et les armées de l'AES aient la victoire sur le peuple de Satan, le peuple du démon, les terreaux et les occidentaux.
Donc le vendredi là, il y aura cette prière collective. Quant à nous, communicants, quant à nous, les deux combattants, nous sommes invités ce samedi 3, ici à Paris, à aller manifester notre soutien au peuple de l'AES et à l'armée de l'AES et à nos chefs d'État de l'AES. Mobilisez-vous, parce que nous sommes dans la guerre. Dans la guerre, c'est que tout le monde a sa contribution. Tout le monde a son rôle à jouer dans une guerre. Voilà. Moi, je suis en train de jouer mon rôle sur les réseaux sociaux, mais je vais jouer mon rôle encore sur le terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Je joue mon rôle sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on était 1800 sur Facebook, et là, on est 800 sur TikTok. Je suis en train de jouer mon rôle. Et je vais jouer mon rôle encore sur Facebook, sur le terrain. Donc, je vous invite, vous à qui Dieu n'a pas facilité la parole en public, vous, votre rôle, c'est de nous trouver sur le terrain pour manifester avec nous. Deuxièmement, votre rôle, c'est d'informer les gens, de donner la vraie information aux gens dans vos foyers, dans vos lieux de travail, dans vos causeries, dans vos grès, partout, il faut donner la vraie information aux gens. Si quelqu'un vient mentir, vient vous intoxiquer, dites-lui, mon frère, tu mens. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que tu dis là, c'est faux. N'acceptez pas les intoxications. N'acceptez pas de braser les fausses informations. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Tout en vous demandant d'aller, vous qui êtes Ivoirien, d'aller vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Allez faire vos cartes d'identité. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de Ouaouais disent, 2025, là, il y aura élection et on va gagner les élections. Et si Drangouattara veut s'imposer, on va le chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Allez vous enrôler. Allez faire votre carte d'identité. Allez faire vos pièces d'identité. Est-ce que vous avez compris? Allez faire vos pièces d'identité. Voilà. C'est ce qu'il voulait dire. Chers camarades de l'Afrique, voilà un peu ce qu'il voulait vous dire ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les braves panafricains. Babou, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. Merci à ceux qui nous ont